Salut YouTube, ici Mikado et on se retrouve pour le dernier épisode de la campagne légendaire de Gracius, Royaume Ogre. J'enregistre à partir de là parce que là on a une petite bataille face à de l'homme lézard. Oui, d'accord. Bon, bah vous voyez, ça par exemple, ça c'est dans le 2, vous voyez. Ça vous pouvez le jouer dans le 2. Si jamais, aussi sur Twitch, hein, le petit débat. Si vous voulez jouer ce genre de bébête, ça c'est dans le 2. Dorek est gratuit? C'est lui qui est gratuit? Ah oui! Dorek était le FLC, il était ajouté avec qui du coup? Avec Oxiot les Torok, c'est ça? Ouais, lui il était gratuit. Bon bah du coup, bon, juste en prenant le 2, vous avez déjà accès au nain. Ouais. J'oublie déjà. Alors. Par contre, je sais pas. Ouais, bah on verra, hein. Ça va être. Ça va voler dans tous les sens, hein. Ogre vs homme lézard. Et bah ça, je m'y attendais pas. Hein. Pourquoi j'ai l'impression que je vais me faire gentiment, hein, gentiment, mais quand même. C'est peut-être une impression. Hein. Pourtant, ils sont pas nombreux, vous avez vu, hein. Ouais. Quelque chose me dit que je vais pas kiffer. Attends un peu. Attends un tout petit peu, d'accord? On essaye, vous voyez, de pratiquer l'acupuncture, comme j'aime bien dire, sur le saurien. J'ai pas l'impression que ça fasse grand chose, mais on lui lance quand même des couteaux. Voilà. Ça nous fait plaisir. Comme on peut voir, ça descend. Est-ce que c'est le moment où ça craque ? Where's my master?
Au dire, je sais même pas pourquoi il attaque pas. C'est là où on sait que ça pue. Parce que là, on peut pas faire grand chose en fait. Et il a pas tout envoyé hein, le mec, il regarde de loin. Mais... regardez le sourire comme il maîtrise. J'ai l'impression que j'ai beau tirer dessus, il... Ouais, je me suis dit que ça allait peut-être les allécher un peu en mode... Ah ouais, ouais, c'est vrai que c'est... Ouais, de justesse, hein, de justesse. On a senti la justesse dans les... Ouais, ouais, ouais. Ça s'est vu. Mais je pense que le problème, c'est qu'on les a équipés en gourdin. On a beaucoup trop mis dans la tête des ogres qu'il faut attendrir la viande. Mais le problème, c'est que là, face à ce genre de bestiaux, un couteau de boucher, par exemple, aurait été pas mal. Il aurait fallu, ouais, des couteaux de boucher, des haches, et pas des gourdins. L'autre est toujours dedans. Donc nous on va là. On termine ici. Grécius refait le plein de nourriture, donc pour l'instant, enfin... En vrai, là, ça va être un peu... voilà. C'est pas très, très utile. On le fait quand même. On peut fermer les failles, vous croyez? Enfin, faut fermer les failles, là. Follow the meat stench. Ce genre d'abus. Alors là, je vais faire un campement juste après, hein, parce que je viens de voir la nourriture. Si je veux pas qu'ils se mettent en grève, j'ai intérêt à sortir le...
La viande du frigo. Vous êtes tous les copains. Qu'est-ce que je fais si haut, moi? Cette vue stratégique est parfaite. Là, je me sens comme l'autre, là. Au log, là. Dans les hobbits. Non. Allez, on va redescendre. C'est sympa, mais... On peut remonter? Ah ouais, ouais. Bon, la limite de map est quand même là, hein. Oui, ils aiment bien mettre ouh, des ouh. Genre, j'ai remarqué quand ça va. Ouh, ça, ouh, bah, ouh, ouh, ouh. Donc, on essaye, voilà. J'ai que trois cannibales, hein. Puis quoi? The cleaver wielder! Maw's right hand! The hunter gnaws! The quarry is mine! Cook Master Supreme! Master of Victory! A good recipe! Hungry! Thirsty flame! I'll smell ya! Munch 'em! Consider it done! Iron fists! Meal time! Helps the tribe! Win supper! Killing time! Des bonbons! Where's the master? Get him dead! Munch him! I feel the hunger! Run for it! Scourge a beast! The hunt continues! The meat hook is ready! Where you going? Hey, guys! Fresh meat! Call of the Maw! Là, t'as fait plus fort avec le gourde, hein. Voilà. Du coup, il y a cet effet.
général, les gars. Oui. On dit jamais non à un câlin. À part ça, ils voulaient me faire perdre. Alors que c'est des tireurs à la vitesse où j'arrive. Ça, c'est une des forces des ogres. Hein. C'est la vitesse à laquelle ils vont arriver en contact. Hein. En plus de bien charger et de faire des dégâts, quoi. Et d'impacter le moral. Hein. Je sais plus si c'est en plus une armée spécialisée avec les buffles. T'as tout ça là, qui sont boostés en attaque mêlée et charge. Voilà. Un petit camp en plus. Là normalement j'ai mis la charge orageuse ici. Heureusement que j'ai l'attaque éclair. Donc là, ça va être entre eux et moi, là. L'avantage, c'est que j'en ai des goldés et j'ai des tireurs goldés. Donc, vas-y. Il y a quelques ours qui vont se faire coucher avant de toucher. On va bloquer les griffons. Je vais probablement prendre les héros pour bloquer la plupart du temps et les géants. Quand même, attention, demi-griffons aussi, hein, ça fait très très mal. Quand même privilégier les ours parce qu'ils sont peut-être boostés. Mais les demi-griffons, c'est quand même c'est quand même pas rien. The Cleaver Wielder. Iron Fists. Prepare the meat. Moore's right hand! Child of the volcano! First we shall harvest the meat, then we shall dine upon it. This way! Légion du Griffon. Oh non, ils ont été vus. Ouais, ils ont été vus. Ça, c'est chiant. Mmh.
Mais oui, ça passe comme ça. Ah oui, en effet, on va avoir un problème. Mon Master Rock s'est fait éclater. Mais là, il n'y a pas de mots. J'aurais pu le remonter, j'avais des tripes de troll, non? Toujours dur à trouver. Non, même pas. Bon, bah. Pas de regret là-dessus, au moins. Cookmaster Supreme! My cleaver is sharp! Lead belchers! This way! The hunger gnaws. The moor calls. Find a meal. Be it. Lead belchers. Leader of butchers. Slaughter them. Leg it. The cleaver wielder. Fire is life. Beep Harvester! The Cough Magic! Moore's right hand! Lead Belchers! Thresh me! I feel the hunger! Supreme Butchery! Lead for the tribe! Oh! À certains, ils se détachent, Fresh meat! Chop and clave! Oh là 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 là! M'a fait tellement mal avec ses troupes nulles, hein. Ok. Enfin, ses troupes nulles. J'en vois un pic, quoi. Parce qu'en vrai, les ours, non. C'est pas nul. C'est pas nul du tout, c'est même eux. Voilà, hein. 13 000. Mon Master Rock, il est arrivé, il s'est fait déboîter. Ah, c'est... Ils étaient chez eux, tu sais, en mode, ah, j'ai l'habitude, j'en chasse tous les matins. Généralement, je fais ça en famille, moi. Ah, le Master Rock, il s'est fait éliminer, mais à une vitesse. J'ai cru que j'avais le moyen de le régén, mais non, j'avais pas le sort. Ça, c'est comme ça. No higher power than I. Bon, il va falloir que... Voilà.
L'idée, c'est que je reste quand même dedans. Parce que... Il y a une possibilité. Il attaque, et s'il attaque, j'ai quand même 3 héros avec la garnison, donc je peux faire des gueules et tout. Putain, mais c'est quoi ça? Lancier les... Oh, je suis pas sûr de kiffer ça. Hein. The boss. Heureusement, j'ai consolidé ça aussi. Tyrant of the Tribe. Bon, ça serait bien de faire la bataille à... bah cette fois on va le prendre, hein. Trip de troll, hein. Par seconde 0,8% pendant 80 secondes. Hein. C'est un full vie ou quoi après ça, hein. Et après ça passe à m'améliorer. Tu... Ouais attendez, on va... fais quand même pas mal, hein. Oh bah je vais l'améliorer du coup. This will assist. Ah ouais, c'est ça. 0,8% pendant 80 secondes, c'est énorme. 8% en 10 secondes, 8 x 8, c'est quoi 64, non? Un truc comme ça. Donc du coup, ouais, 64% de ta vie régène, t'aimes bien hein, quand même. Hein. Moore's chosen. Ok. Ensuite... Oh mais reste ici, t'es bien. Voilà, donc là on a fait le petit campement, justement pour que ça ramène un petit peu de viande. D'ailleurs on va augmenter le la viande ramenée. The Cookmaster. Ok, donc là j'irai capturer cette ville là. Ouais, il y a une faille à fermer ici. Allez, au prochain tour, faut m'enlever le buff, hein. Moins 20%, non mais défense mêlée, moins 20%, c'est beaucoup trop. Hein. J'espère que c'est pas dès le prochain tour quand genre elle déverrouille le truc. Là, c'est... Attendez, pas encore. Là, c'est maintenant. Maintenant, il faut serrer les fesses. Ok, je crois qu'elle a toujours pas fait l'âme. Parfait. Donc là, je vais perdre... Moi, je veux juste perdre le défense mêlée. Le défense mêlée de mes troupes. Une fois que je perds ce debuff, on se casse chez Bellacor. Master of Offal. Warriors today, ingredients tomorrow. Obey the Master of Sloa. Allez. Ça, ce sera fait. Hold, Master. Putain, mais il l'a pas perdu encore! I am no slave! Conquest. Qu'est-ce que tu fais là, toi? T'as pas remarqué que t'étais dans le chemin? En plus, pourquoi je fais ça en vrai?
go. I said so. Boss over bosses. En vrai, c'est ça qu'il faut défendre parce que ça, c'est probablement très chiant. À l'aide. Putain, mais il y a des armées qui sortent. Non, s'il te plaît, c'est le moment de perdre tes traits quand même. Hein. Vraiment. Hein. Là, là, je suis cool. Et je vais plus l'être vraiment dans pas longtemps. Hein. Parce que là, ça c'est le gameplay, ça je l'ai pas compris honnêtement. T'es obligé à rester 3 tours dans un truc, ça c'est le seul défaut que j'ai trouvé, mais très relou. Surtout que c'est pas obligatoire que tu perdes le trait, et qu'en plus, en ogre, tu n'as quasiment pas de ville qui te le donne. Je suis obligé d'installer ça pour perdre mon trait, parce que sinon j'ai littéralement aucune ville qui me donne dans les montagnes ce truc. Il faut que je capture elle par exemple. Des, vous savez, des villes qui ne sont pas à moi, hein, qui ne sont pas propres aux ogres. Non, non, non. Faut que je capture ce genre de choses pour m'enlever le trait. Alors, je vais... Hein, doucement, hein. Parce que là, je vais... Dans pas longtemps, je vais être salé. Je le sens. Donc, tu vas m'enlever ces petits traits pourris. Vite. Parce qu'être contraint de rester dans une ville parce que t'as un trait à enlever, t'es obligé d'aller te... littéralement te branler dans une ville pour l'enlever. Monsieur, il va falloir faire quelque chose. Les villes naines le font. Eh oui, mais c'est pas ogre. C'est bien ce que je dis. Tout ce qui n'est pas à toi. Là, je vais perdre encore mon camp. In charge. Leave me to my manipulations. Oh là là. Vite. Vite que je gagne et que je retourne chez moi. J'ai mes terres. Tu vois, j'ai juste le portail à prendre et c'est bon, je suis chez mes accords. Et je termine. Et je m'en fous. Ok, je crois qu'il m'a pas attaqué. C'est plutôt une bonne nouvelle. Eh, dis-moi que tu l'as perdu, s'il te plaît. S'il te plaît. Oui, c'était exactement ça que je voulais perdre. Normalement, après, je m'en fous. Bon, 10%. Est-ce que je m'énerve pour 10%? Elle a toujours pas l'âme. Non, je pense 10%, je vais y aller. J'y vais. Non mais il est même pas mort. Moi je trouve quand même qu'il y en a certains, ils amusent. Voilà, je dis ça comme ça. Je suis
suis content, j'ai pas perdu mon camp ogre. Même, enfin, de toute façon, c'est la fin, mais... Franchement, ça serait vraiment ma demande. Dans cette campagne, virer ce trait. Enfin, c'est sympa, en fait, de, quand tu te dis tu restes trop longtemps dans le truc. Voilà, tu manges un debuff. Pour éviter que tu stagnes, etc. Ok, ça, je le comprends. Mais après, non, faut enlever. Non, faut enlever. Reste, c'est acheté. L'idée de te faire stagner, c'est acheté. C'est pas normal. Tu restes pas. En plus, c'est tu restes pas sur une probabilité qu'on te l'enlève. Donc si t'as pas de chance, si t'es littéralement, tu vois, t'es... Ouais, t'as pas de chance, bah ça y est, t'es... T'es niqué, quoi. Tyrant of tyrants. This way. The right of Sloa. Looking for mate. Dolchu from the moon. Over Tyrant going. I am legend. Biggest in the tribe. For the tribe! Greasus, Dolchu. Bon. This way! Enfin, on voyait parce que là... The hunt continues. My next trophy. I want it all. The mortal. Rampage. Seeking fresh meat. The ultimate hunter. Ah, moi aussi, regarde. My next trophy. The strongest, the fattest. For the hunt suits me. Non mais l'excès de l'armée quoi. Bon, bah tant pis, j'aurai un petit nioblard en moins. Je prendrai peut-être un ventre dur ou un truc comme ça dans l'armée. Et bon, je perds 10% de défense. Bon, ils ont 40, 44, ils perdent 4, ok. Cool. Enfin, 4 et quelques. 4,04, on préfère. Déjà là je me sens un peu abusé, désemparé, un peu le truc pour moi il abuse littéralement, mais bon. Là je suis obligé de régène, c'est ça le pire. Parce que j'avais pas le choix, il y avait une armée qui stagnait dessus. C'est comme si tout d'un coup l'IA s'est dit, bah attendez, je vais le bloquer parce que sinon il va gagner. Alors j'ai intérêt à me dépêcher de désactiver toutes les failles là normalement. Attendez, s'il y va, il gagne. Donc non, 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 non. Vite, province du Nord, faut qu'elle gagne. Tyrant of the tribe. En vrai, il est boosté ici. Lui faire gagner de l'armure et du commandement moins. Alors, on peut quand même augmenter ça. Hein. Ça marchera pas, mais. C'est ce que j'augmenterais s'il fallait. They work for Greasus now.
Alors. Au prochain tour, je crois qu'il y a un ventre dur d'ailleurs. Alors, c'est... il y en a déjà un. Cool. Donc je vais pouvoir l'échanger et le mettre dans cette armée. Obey me or your dinner. Trade lord. Trade. J'ai presque envie de les fusionner pour pas attendre quoi. Master. Pour pas attendre et me dire let's go. Hein. My ogres. Join me. It's not a choice. Après, de toute façon, je... Ah bah non, Bellacor, c'est la bataille de fin tout de suite, non? Bellacor, quand on rentre dedans... information, les gars. Quand on rentre chez Bellacor... On est tout de suite dans la bataille? Non, il me semble qu'on est dans le monde et qu'on peut pas bouger. Un peu comme les autres. Et qu'après, on avance un tout petit peu et on est déjà à la bataille, c'est ça, hein? De mémoire. Comme je l'ai fait qu'une fois, j'ai ce souvenir là, mais c'est un peu... Donc, je serai pas tout de suite dans la bataille. Donc, si je suis pas tout de suite dans la bataille... Ça peut être intéressant alors de... Je me mets en mode campement, je rentre dans la faille, si ça marche. Au moins, je suis sûr que je suis dedans. L'hôtel est bloqué. Si jamais elle fonce dedans... Ouais, ouais, je pense qu'on va faire ça. Je pense qu'on va faire ça. Ça me paraît être... la bonne idée. Je vais rentrer dedans, je vais régène. Comme ça, au moins, j'ai la faille sous surveillance. S'il faut que je tue Miao, je tue Miao, quoi. Alors j'ai la charge orageuse. J'ai pas le boost de gourmandise, ça c'est dommage. Et après il y a un boost de commandement quelque part là. Ce qui est plutôt dommage. Boyars bow to no one. Master Butcher. No higher power than I. N'empêche, qui se lève envahissant. Hein. Elle est Miao, tu le fais pas maintenant. Moi, je rentre dans la faille. Et on fait la victoire. Enfin, si je peux jouer, parce que bon, on va m'obliger à faire des batailles nulles, quoi. Il y a un tour, hein. C'est surtout ça. Hein. Le passage, oui, je sais que je dois rentrer dans la faille, mais... C'est bien, il y a un tour avant que je lance la bataille, normalement. Et donc, du coup, si je suis en mode campement, je régène même dans la faille, au pire, dans le truc, là, et on n'en parle plus, quoi. C'était tendu, quand même, là. Hein. Autant qu'Athée, j'étais serein, là. Avec Gressus, province qui me colle au basque... Le char lourd, c'est chiant, il y a un petit grom. Alors j'ai 3000. Pardon. Ok. Morvan Cavalry.
Normalement, je peux monter là. Il tire au flingue. Ouais. Biggest in the tribe. Looking for me. When do we eat? Dolphin. Mulvane Cavalry. Ouais, en fait, je vais revenir par là, ouais, c'est ça. Immolation! Incineration! Thunder and fall! Boss it, son! When do we eat? Meat! Meat! Ça va refaire une charge dans le dos. Yes, une belle charge, hein. Ça c'est. Continuez comme ça. Il y en a un qui ne joue pas là. Je sais pas pourquoi je me dis que là ça va pas passer à force.
Ouais, c'est bien ça. Et qu'à force, je vois que ça abandonne, ouais. Les chars lourds, ça a l'air quand même assez impressionnant ce truc-là. C'est pas le chariot de guerre de l'Empire. Ouais, je suis pas sûr qui tu tirais, mais... J'en doute pas, c'était efficace. Mulvane Cavalry! Man-eaters! Hungry! Meal time! This way! Run for it! Heureusement que les tours sont là. Hein. Voilà. Ah ouais? Je sais pas. Bon, pour l'instant, je vois le lourd 85 kills. Est-ce qu'il était face à du Nioblar aussi? Je sais pas. Regardez les dégâts infligés. 13 624. Ouais, toujours pas terminé là, mais moi j'y vais là. Là j'y vais pleine balle. Hein. Et après je ferme la faille. Pour éviter qu'elle m'arrive dans le dos. Parce que à se concentrer sur ça, du coup je perds du territoire et ça c'est... Il y a un petit côté frustrant. Ouais bah alors là, mon gars. Gracious, the shockingly obese. Put your feet up, boys. Ouais, pas de soucis. Alors je sais pas pourquoi ça m'a pris deux tours là, mais c'était sympa. Tant pis, j'y... Attendez, mais pourquoi on est 18 en fait? C'est quoi le problème là? Tyrant of the tribe. Want everything.
the Overtyrant. Pick it! Must feast. They work for Croesus now. Allez, tant pis. On prend deux Nioblards. They better do what I say. Et prochain tour, on est dedans. To walk. J'espère juste qu'elle pourra pas, elle. Parce que là, normalement, je suis bloqué, hein. Over-tyrant. Croesus. On est d'accord, hein. J'ai pas de mouvement à la base, hein. Non. Join me. It's not a choice. Ok. Toi, du coup, tu peux fermer la faille. Fire, in charge. Ok. J'ai cette armée-là. Je peux s'occuper de ça. Treason to command me. Mais là, non, flemme. Vraiment flemme. On va tenter une embuscade, tiens, pourquoi pas. Peut-être bloquer ça. Magma. Cove and groin. Meat ritual. The meat must not see us. Boyars bow to no one. Survivor of the flame trial. They cannot march through magma. I die before betraying. Ça te spamme les chars, les trucs bien chiants que tu peux pas. Obey me or your dinner. Allez. Who can I boss around next? Voilà, on se renforce. Master Butcher. Ah, je peux pas la fermer celle-ci du coup. J'ai pas la thune. Avec lui non plus, j'ai pas la thune. We rest. We feast. Hunger. Voilà. Slow us, Ogre Hunter. Et bah c'était juste juste, hein. Ah la baston de fin avec les ogres, c'est que Bellacor a une armée de démons anti-large. Oh, m'inquiète. Je m'inquiète pas pour ça. Now is the day of butchery. Pork wallowing me. Son armée, elle est petit à petit divisée. C'est, enfin, c'est pas. A battle and a feast. C'est pas une armée. Enfin, il va pas envoyer genre ses 19 démons, enfin, broyeurs d'âmes en même temps. Il va les envoyer par 4 jusqu'à qu'on arrive à lui et qu'après ça soit des portails qui amènent des en TP non-stop. Donc c'est pas. Je m'inquiète vraiment pas pour ça. Et voilà. Allez, c'est à nous. C'est la victoire pour nous. Merci. Après, il faut faire la victoire quand même. Mais jusqu'à maintenant, c'est l'armée en laquelle j'ai le plus confiance quand même pour ça. The time has come to fulfill the final part of the pact. The spirits imprisoned in the Tome of Fates, now untethered. They combine into a single light, casting a shadow as they journey to the forge. Where shadows fall, we shall step. A bridge revealed to the Forge of Souls. Bellacor is on the verge of godhood, but he has not ascended yet. What he started, we il will je fais ça avec le destroy de Nurgle, hein. And claim the power of the Bear God. Un peu chiant, mais bon.
Pas le plus haut. On est à 10%. Allez, on augmente notre poids de charge et on s'apprête à y aller. Un grand festin avant de foncer là-dedans. Ouais, mais c'est comme les autres, du coup, c'est pour ça que je crains pas trop, parce que il va les mettre petit à petit. I sit upon the precipice of godhood. And you have the gall to believe that the bear's carrion is yours. Ouais, nous on veut manger l'ours. Come then, try and take it. Miam miam l'ours. C'est un peu, vous voyez, comme dans le titre. Vas-y, Scrag, sors le barbecue. On va faire faire l'ours. Master Seeker, meet Ogre Mates. Greet us, Goldtooth. Tracker, trapper, killer! Bah c'est pour ça qu'après, normalement, il est censé être surpuissant, parce que ouais, il abuse en fait de la forge des âmes, là où sont créés, on m'a dit, les broyeurs, du coup. J'ai bien bouffé. Oh, par contre, la charge a été nulle. Même le gobelin, il doit être plus lourd que... Je crois qu'il est plus lourd que la démonette, le Nieublar, là. En vérité, hein. Ouais, il est plus lourd. Bah honnêtement, ouais. Vous avez vu la puissance? C'est bon? Cassez-vous là! Voilà! Alors! Rampage this way! This way! Iron Guts! Bring us meat! Find a meal. I'll go. Off we go. The quarry is mine, Master Predator. Off we go. That'll do. Follow
follow the Morse call. These idiots don't know when to quit. Mais Dieu blanc! J'ai oublié le Dieu blanc! Iron Guts! Honey! Hungry! I seek prey! Gornfang Cavalry! Ah, c'est un peu serré, hein! Parce que je sais plus s'ils arrivent d'en face ou ça va venir plutôt de côté. Pour ça, je préfère les mettre là au final. Les petits nioblards qui sont plus lourds que beaucoup d'unités d'infanterie, je crois. 121, il me semble que c'est énorme pour eux, normalement. C'est un truc de fou. Hein. Oula. Mais calmez-vous! Mais pourquoi vous allez? Oh là 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 là! Non mais à l'aide! Non mais vous allez trop dans la mêlée là! C'est un mot! Oh! Revenez! Revenez ici! Bande de sac à merde! Hunt them down! Wait, hold on, mate! Smash them to pulp! Grease us, gold! Ouais, c'est comme ça qu'il faut les appeler hein, si vous voulez qu'ils bougent, hein, parce que sinon ils vous respectent pas. Hein. Alors, de mémoire, il n'y a rien ici. Hein. On y va. Hein. On va mettre ça tant que... Conture d'oreille. Hein. Ah bah eux, maintenant, ils sont lancés. Hein.
hearts out, boys! Cavalry! Ogres attack! Borgvan cavalry! Iron guts! Take it all! Rampage this way! Pour l'instant, je les mets là. Hein. Ils gardent l'entrée, tout ça, tout ça. Les chiens qui te rushent directement, tu sais. Je sais pas pourquoi, ils veulent tes ta cavalerie féroce. Hein. Sauf que, voilà quoi, enfin... Calmez-vous, là. Thundering Force! Find a meal! Alors. Bah là, disons que on est ogre. D'accord? Hungry! Donc, on n'est pas là pour Let's défendre go, le point boys. Central dans le sens. Comment pourrait-on dire ça? De manière classique. En étant à l'intérieur. Hein, on est là pour le défendre. En allant directement sur l'ennemi. Ouais, je pense que je capte avec ça et en vrai je me mets là. J'en mets là. Ouais, plutôt par là. Ça va pas être fait de manière conventionnelle. Hein, c'est directement. On est à la porte. On joue les videurs. Bring us me. Here we go. Looking for me. Servant of the Moor. Ouais, puis c'est vrai qu'en plus il y a un problème de taille. Pas des moindres, il est vrai. Moi, je suis plutôt d'avis de... Voilà. T'attends directement les ennemis à l'entrée. On négocie comme ça. Et je mets ça au cas où, voilà, vraiment... Peut-être un peu trop, là. Peut peut-être être pas mal. Sort d'où déjà eux. Bon, il y a du volant. Ok. Je me souvenais plus s'il y avait du volant, mais oui, il y en a. Mais on va payer des ogres. Il y a des araignées qui tombent. Ah, c'est les broyeurs. D'accord. Eh bah, écoutez. Allons-y directement. Bah, on a peut-être besoin de vous là-bas en fait. Hein. Et là, ça peut peut-être être sympa de payer genre... Ouais. Deux mangeurs d'or. Ouais. Directement. Off we go. The quarry is mine. Voilà, on ramène les copains. Et on devrait être bon. On se prépare ici, on fait attention. Attention, qui prend cher?
Allez, on envoie un petit heal, on soutient. Gracious gold. The strong things. The fatties. Finding the trail. Lead belchers. Over tyrant going. Dinner. Ah, j'ai deux mangeurs d'hommes. S'ils veulent négocier, on est là. S'énerve bien. Est-ce que ça vaut le coup maintenant? Non, je crois pas. Hein. Ok, il reste plus grand chose. Ils essaient de me détruire la tour là-bas. Biggest in the tribe. Man-eaters. Yeah, yeah. Rampage this one. Dumblers. Boss said so. Alors s'il continue de tirer comme ça, il va pas aller loin. Eh mais ça pourrait être pas mal d'envoyer ça vite fait. Gérer ça là. Allez, 7%, il reste quoi là? Ok, il y a Morkarkrofex. Hein? Morkarkrofex. Qu'est-ce qu'il a spécial lui? C'est pour ça que je veux m'en occuper, hein. C'est pour. Parce que là, je crois que les 3%, ça va être ça. Là. On va voir ça tout de suite. Vous êtes au maximum de votre île ou pas là? Ok, ça continue d'arriver non-stop. Mais là, la porte va s'ouvrir, voilà. Pourquoi pas se payer un deuxième petit bout de fer? Histoire 2. Fais ça. Alors toi. Tiens, c'est le moment de voir. Regardez sur lui combien ça va lui rendre. Vous voyez, 1900. On va regarder à combien il va remonter petit à petit là. Sachant qu'il a fait une petite explosion d'échec. Hein. Ils viennent pas? C'est à nous de venir? Ah bah je crois. Find a meal. Guts out, boys. Follow the Moor's call. Donc il continue de remonter. Ah, je crois que ça va être sa limite, c'est ça? Me, me,
crush me. Mais non, n'importe quoi. Tribe on the move. Thundering forth. Voilà, c'est des deux bouts de fer là qui sont en train de s'occuper de là. Lock me there. Lead belchers. Throne bearers. No. Donc ouais, c'est un peu relou parce qu'il est anti-large à la base, lui. Vas-y, essaye de tirer voir. De l'armée, vous pouvez venir. Hein. Petits effets super cool là. Ok. De toute façon, il va y avoir Belacor. Le mieux, c'est de prendre tout le monde pour essayer de tenir un peu partout. Voilà, tac. Tac. Se préparer avec lui. Lui et lui à l'accueillir, pourquoi pas avec eux aussi. On peut mettre les points d'acier devant et les mangeurs d'hommes au centre avec ça, et les points d'acier iront avec les nioblards. Ah là, je crois que j'ai déplacé tout le monde. Et s'ils sont pas assez rapides, bah j'y peux rien. Et là, on va pouvoir acheter. Voilà. Il n'y a qu'une seule tour ici. Non. Alors, pourquoi je suis pas trop craintif avec les ogres en termes de puissance? Parce que du coup, là, regardez ce que je vais appeler. Par exemple, voilà. Tac. Deux petits ventres durs. Allez, pourquoi pas encore un autre. Pourquoi pas bloquer ici pour faire chier. Bref, voilà. Tu vois, Belacor, bah viens, hein. Viens, on va discuter, viens. Viens, j'ai ramené ma bande de copains, tu vas voir. Eh bien. Here comes another load of them.
Donc là, mais l'accord arrive, sauf qu'il est un peu beaucoup attendu. Voilà. Allez, on commence déjà à envoyer ça. J'ai oublié de bouger mes... Non. Ah non. Voilà, il s'est mis au milieu de la mêlée. Allez les copains. Venez, on va discuter avec lui. Take it all. Nothing can escape. Tout va bien se passer pour lui, hein, vous inquiétez pas. On va éloigner eux parce qu'ils vont pas être très efficaces. Bon, s'il y a une tentative de focus, voilà, hein, faut envoyer une régène et... Ça ira bien. Ah, y a pas de souci. Bellacor est puissant, mais y a du monde, quoi. J'aimerais bien que les loups ne participent pas à ce côté-là. En plus de pas vraiment être sensible, on va dire, aux charges ou ce genre de choses, parce que... Alors il en est où, Bellacor? Ça, il n'y a pas vraiment à craindre en ogre. Mec, il envoie des 10. Enfin, il est désespéré, quoi. On a vu, il va pas kiffer ce qui va se passer là. Voilà. Est-ce que, à votre avis, mon buff est appliqué sur eux? Non. Pas sur les renforts. Je voulais essayer un truc, voir. Ah, tiens, les petits mangeurs d'hommes dessus là. Bien, bien, d'accord, c'est bon. T'abandonnes bientôt. On met petit Nioblard forcément dans ce monde là quand même, c'est un peu c'est un peu spécial quoi. Oh, vas-y les bouts de fer même au corps à corps si vous voulez, hein. Allez-y, hein. C'est bon ? Ils envoient les dernières forces, à nous d'appeler les dernières aussi.
Allez hop. J'ai encore jamais joué les broyeurs, je crois. Ils sont pas un peu différents, attendez. Mais carrément! Regardez, c'est pas la même bête! Oh, et je découvre ça qu'à la fin! Non! Les broyeurs! Libre-moi! Bon, à la fin, c'est un... C'est une mêlée générale. Après une embrouille. C'est ma bière, tout ça. Je suis même pas sûr d'avoir fait une seule gueule. Bah tiens. Ah ouais. Oh. Ah c'est un peu plus vénère ça à mon avis hein. Bon, qui c'est qui veut encore participer à la mêlée générale là? Attendez, je vais envoyer ça là. Dessus là. Ils ont des petits noms en plus hein. Certains. Hein. Rumir Sanga. Ce petit sort très stylé en vrai. Ah, on charge avec tout maintenant, c'est terminé. Hein. Les gars, on y va là, hein. on y va là. Ils veulent. Il va y en avoir encore un avec un nom là. Se tape dessus, même entre nous on se tape dessus maintenant, on est là en mode battu, on rigole et tout, on se pète des dents. Ah mais c'est lui Vilgoul. C'est lui qui nous fait chier là. Il veut pas faire le plaisir de mourir. Bon, attendez les gars, allez là-bas, dépêchez-vous. Laissez faire les professionnels. Poussez-vous, je le fume. Bah, c'est moi, je le fume. Voilà. Pour ça. La bataille avec les orcs, c'est... Je pense qu'à la fin, le royaume du chaos a déménagé, tu vois.
Là, littéralement, vu l'armée, le chaos a déménagé. Hein, voilà. Hein, il a changé de dimension. Après ça, il a dit non, moi j'ai pas signé pour ça. On va chercher une autre dimension. Voilà. Et c'est ainsi que Warhammer 40 000 est né. On fait un bond dans le futur. Ouais. Ah oui. Ah bah à la fin là-dessus, ouais, c'est clic gauche. Écran. Et tu t'allonges l'écran. Clic droit. Mais bon, ouais, ça a fait le taf, hein. Y'a pas à dire, hein, tout le monde a fait le taf, peut-être même les Niobars. Ouais, pas vraiment, mais... Oh, mais ils ont participé. Ils ont participé. C'est ça, c'est important. A battle to draw the gaze of the gods. All breathe a sigh of relief, for Bellacor is vanquished. Godhood is lost. As was foretold, shackled within the depths of the forge was the body of Ursa. The once mighty god of Kislev. Merde, il a combien de temps parce que ça se trouve la viande elle a pourri. The over-tyrant stands before a lifeless god. The divine corpse still fresh to butcher. An ogre's greatest desire, god flesh. The meat of meats. Once the tribe have gorged, Urson's remains will be fed to the great maw. Respite from the eternal gnawing hunger. One drop of Urson's blood was enough to break my curse. The taint purged from the Tome of Fates. Now it is mine to command. A pure white crow, the lone witness to my ascension. Come, little one. What fate awaits us? Et ben voilà. On remet la webcam et une de plus. On l'a bouffé, Sturzun. Eh ouais, mon gars. Alors, une campagne assez facile quand même. Le départ, j'ai voulu l'optimiser, donc je m'y suis pris à 3 fois au total. La première fois découvert, deuxième tentative d'optimisation, je crois, c'est ça, mais j'avais raté. Troisième, du coup, c'était la bonne. Ensuite, après, les captures dans les montagnes, se mettre bien avec le frère de Miao, c'est le bon plan pour être tranquille. Et s'occuper plus ou moins du nord avec Kairos, et peut-être de la gauche avec les orcs, tout ça, tout ça. Qui fait qu'on a quand même eu un territoire assez conséquent, mais clairement pas de taille à côté de celui de Kislev. Hein. Kislev, c'est puissant quand même. Dans l'aléatoire actuel, on y a, c'est puissant. Donc voilà, on l'a terminé. On a bouffé Ursun. On s'est régalé. Hein. C'est l'ours à la bière. Hein. Hein. Pas mal. Hein. Franchement, l'ours. Dieu ours à la bière. Exquis. On l'a même à un moment un peu caramélisé, vous voyez. Oh là là. On s'en est parmi depuis, hein.
Ouais, mais alors là, tu vois, je me dis, tu vois, après qu'on a bouffé Ursune, est-ce que tu crois que du coup, Kislev est encore plus combattant, ou là, il est démoralisé et on va arriver en mode, bah non, t'as plus de dieu. Hein. On l'a bouffé. Dans les négociations. Ah, excuse-moi, je me cure un peu les dents avec un os. Bon, alors, du coup, ouais, non, pas comme ça. Enfin, imaginez quand même, c'est un ogre. Hein. Donc, quand je fais ça, en fait, l'os, voilà, hein, c'est quand même un vrai, tu vois. Et là, il se cure les dents, tu sais, il fait, excuse-moi, je me cure avec sûrement un os pas loin des pattes, celui-là. Hein. Un petit osselet d'Ursune. Ouais, qu'est-ce qu'on... Alors, on négocie, c'est ça ? Qui se lève ? Qu'est-ce qu'on fait ? La paix ? On fait quoi ? En tout cas, je comprends pourquoi vous l'aimez bien, Ursune. Hein. Enfin, vous l'avez mis... On va parler au passé, maintenant. Je comprends pourquoi vous l'avez pris. C'est vrai qu'il était bon. Il était bon, ce dieu. Hein. Très, très bon. Certains l'ont mangé au ketchup. Certains caramélisés. À la bière. On l'a fait un peu tous les menus. D'ailleurs, si vous voulez, il en reste. Vous voulez en manger un peu ? Vous voulez goûter ? Ça, c'est parce que on négocie. Sinon, jamais on vous aurait laissé goûter. Hein. Et on va balancer un gros morceau là tout à l'heure dans la gueule. Vous voulez voir un peu ? C'est un spectacle, je vous assure. Hein. Quand le truc, le morceau, on va l'envoyer, elle va commencer à... Ça va se refermer sur elle, sur la viande. Ah, ça... Elle va commencer à le manger, à le digérer. Et le clou, le final, c'est quand elle rote. Hein. Ah, elle vous fait un truc... c'est magistral. Hein. Il y a un écho dans les plaines. Je vais essayer de le retranscrire. Ouais, non, je pense que je l'ai pas assez. Mais c'est beau à voir. C'est beau à voir. Dans l'idée. J'ai essayé de faire trop grave, c'est pas parti, ça va faire trop chelou. Ah. Ouais. J'espère que vous avez kiffé cette campagne. Scrag en ogre, j'avoue que je vais probablement attendre l'Empire Mortel s'il sort assez rapidement. Et s'il se fait tard, bah d'ici... Enfin, en gros, je me dis que d'ici le prochain DLC, je vais sûrement tenter Scrag. S'il y a des nouvelles de l'Empire Mortel, dans ce cas-là, je vais patienter. Et s'il n'y a aucune nouvelle, bon, bah dans ce cas-là, on le fera quand même. On fera la course, tant pis. Peut-être que d'ici là, on aura accès au mode. Et dans ce cas-là, on sera peut-être capable de désactiver la campagne. Et du coup... Enfin, désactiver la campagne. Désactiver les objectifs de campagne, par exemple. Parce que je pense qu'à mon avis, ça devrait venir rapidement, ça, ce genre de mode. Parce que si l'Empire Mortel tarde, ça va arriver. Si l'Empire Mortel arrive, enfin, bien vite. On n'aura pas besoin du mode, du coup. Voilà. Du coup, des bisous YouTube et à une prochaine campagne. Ciao, ciao. Et regardez à la fin la taille de l'Empire. Voilà. Des bisous.